fut un temps où les riches et les pauvres ne se rencontraient pas. C'était les premiers temps de l'humanité, celui de la domination et du mépris. Et les gens vivaient comme ça. Il y eut un temps où un homme renversa toutes les perspectives. C'était une révélation, une révolution, la fraternité. Les riches devenaient mendiants pour prendre soin des pauvres et des gens vivaient comme ça. Il y eut un temps où l'on comprit que nous étions appelés à vivre avec les plus pauvres. C'est le temps où s'ouvrent des maisons, des tables, des cuisines, où riches et pauvres dorment, mangent, cuisinent ensemble. Et ces gens vivent heureux comme ça. Il est venu le temps où toi aussi tu peux devenir coloc et tu seras heureux. Chers amis, bonjour et bienvenue à cette première soirée Lazare virtuelle. Quel honneur de prendre la parole juste après PPDA, premier JT pour lui depuis une dizaine d'années. Alors Lazare, c'est quoi? C'est des colloques solidaires entre des jeunes actifs et des personnes qui ont connu la galère de la rue. On est présent dans 8 villes en France, on est également présent à Bruxelles, à Madrid, et ce soir, on voulait vous ouvrir nos portes. Je voulais vraiment remercier les colocs et les familles qui vivent dans nos maisons de nous avoir offert cette soirée en nous donnant la possibilité de les voir. Vous allez voir en direct, ils ont préparé des vidéos, on va s'amuser, on va rire, on va faire des jeux. Ça va être une soirée, je l'espère, inoubliable. Alors, c'est vrai, Lazare ce soir sort malgré le confinement. Mais c'est pour vous, c'est pour que chacun d'entre nous passe une bonne soirée. Avant de vous présenter les colocs, j'aimerais vous présenter deux personnes qui nous ont fait la joie de participer à cette soirée en direct. D'abord, Grégory Turpin. Salut Greg. Salut. Greg, chanteur aussi talentueux que reconnu, nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Super content d'être avec vous. Prêter sa voix. Merci Greg. On accueille également Clarisse. Alors Clarisse, j'avais envie de dire que Clarisse est un petit peu la star du confinement. Oui, elle est passionnée de voile et elle s'engage dans la course la plus difficile au monde, le Vendée Globe, une course en solitaire autour du monde. Salut Clarisse. Salut. Merci d'être avec nous ce soir. Merci de me recevoir, je suis très honorée. Ce soir, tu vas nous parler de comment sortir de sa zone de confort et je pense que tu auras de quoi nous parler. Merci à toi, à tout à l'heure. À toutes. Je remercie aussi toutes les personnes qui sont en ligne. Je ne sais pas combien on est, il y avait à peu près 600 personnes inscrites sur le lien. Et c'est énorme ce qui se vit ce soir pour nos maisons. Et donc, on est hyper, hyper contents. On espère que vous allez passer une bonne soirée. Je commence par un petit jeu. Au cours de la soirée, dans une des vidéos, vous allez devoir repérer Fred. Fred, il n'a pas mis un masque, il a mis un bob. Vous allez le voir dans une des vidéos. Le premier qui le voit, il le met en commentaire sur Facebook et il remporte un pull Lazare. Vous allez voir la photo qui apparaît. Ce soir, Lazare vous ouvre ses portes. Les portes seront grandes ouvertes. Rien que pour vous, bienvenue à la soirée Lazare sort, des confitures, des confinements et finalement des confinis. Ah, il y a des soirs comme ça, des soirs où ça va pas. Alors, bien sûr, tu as pris ta petite tisane dans ta petite tasse et cette petite eau chaude qui te brûle les lèvres, ce petit réconfort de rien qui t'ouvre une petite soirée. Ah, ce train-train-là, tu vois, mon gars, c'est le dernier. Ce soir, t'es avec Lazare. Tu verras, c'est grand service, grand jeu, grande tisane, la théière qui crache le noir de la nuit. Mais ce coup-là, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour 6, il y en a pour 8. C'est ce soir, vous êtes 1000. C'est la soirée solidaire, la soirée avec ceux qui ont connu la galère. Lazare. Un toit, des amis, une soirée, what else? Allez, bonne soirée, chers amis, et bienvenue à chacun. Bienvenue
Bienvenue ce soir à toutes les villes qui sont avec nous. Je voudrais saluer d'abord Toulouse. Bravo Toulouse, vous êtes nombreux, vous êtes super beaux. Je voudrais dire bonsoir à Nantes. Bravo les Nantais, j'espère qu'on vous voit. Je voudrais saluer bien sûr les Lillois. Je voudrais saluer avec la même émotion tous les colocs de Vaumoise, des hommes et des femmes désormais. On a la joie d'avoir bien sûr les Lyonnais, ils sont nombreux, 3 appartements. On est évidemment très heureux d'avoir avec nous les tout petits nouveaux, les derniers arrivés dans la famille Lazare, c'est les gens de Valence. On vous entend bien les Valençois, les Valentinois, je ne sais même pas comment on dit. On est heureux d'accueillir bien sûr aussi des gens de Bruxelles, ils sont nombreux également. Je crois savoir que les Madrilènes nous ont rejoints. Est-ce que vous êtes là, Madrid ? Oui, mais il faut le temps de traduire probablement. Madrid est là, je crois. Merci. Merci à chacun. Angers, qui est avec nous à l'écran, mais nous suit depuis ses appartements. Regardez ici. On est super heureux de réunir la grande famille. J'espère n'avoir oublié personne. Bravo à chacun d'être là ce soir. Bonne soirée. Je laisse la parole à Fred et Aliénor. Freddy et Aliénor, vous êtes là ? Salut, moi c'est Freddy. Salut, moi c'est Aliénor. On n'est pas vénère, mais il y a un truc qui nous turlupine quand même. Oui, l'autre jour, on voulait faire des tags dehors, mais quoi mettre sur l'attestation ? Ouais, déplacement bref à proximité du domicile, activité physique. Bon, bah du coup, comme c'était une vidéo pour Lazare, bah, on a mis déplacement professionnel. Loïc, ils nous ont dit que c'est à toi qu'ils enverraient l'amende, mais bon, tu verras. Loïc, ne t'énerve pas, regarde la vidéo avant. Ouais, franchement, regarde, franchement. C'est quel. C'est la teuf chez les meufs dans l'école Saint-Pierre, le Covid c'est pas rose, le Covid c'est morose. Alors prends-toi en main, c'est ton destin, c'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Confination, distanciation, moi je dis non. Ce sont des mots que tu refuses en bloc. Au sens, c'est sûr. On ne se soumettra pas à vos lois. Ouais, t'as bien pris note. Alors prends-toi en main. Alors c'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. C'est ton destin. Écoute, mon frère, te laisse pas faire. Écoute bien ce qu'il te dit. Il nous a dit que c'était la guerre. Faut pas se battre pour y arriver. Faut se désinfecter. Le frère, mon frère, alors retiens bien ce qu'il te dit. C'est pour ton bien, c'est ton destin. C'est ton destin. Hé, hey, Freddy, tu descends ? Et pour quoi faire ? Bah, c'est ton destin. C'est la teuf chez les meufs dans l'école Saint-Pierre. Le Covid, c'est pas rose, le Covid, c'est morose. Alors, prends-toi en main. C'est ton destin. C'est ton destin. Prends-toi en main. Ton destin. Est-il utile de te redire le refrain ? Ouais, lave-toi les mains. Alors prends ta main. Écoute Buzyn. Carrefour, Intermarché, Lidl ou Decré, c'est le même destin. Allez mes frères et mes sœurs, tous ensemble, on se lave les mains. T'as vu mon cousin ? Ouais, t'as vu cousin, ça valait bien les 135 euros d'amende, non ? Ouais, vous avez assuré les filles. Hein. Alors en fait, dans la vraie vie, Freddy et moi, on est colocs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que quand j'entends Freddy, rien qu'à son pas, je sais s'il faut que je lui parle aujourd'hui ou pas. Quoi. Et moi, je sais quand Aliénor m'envoie un texto. C'est « Je veux faire quoi ? Elle a besoin de quoi ? Je vais faire quoi de drôle ?» Quand je lui envoie un texto, souvent, c'est pour lui demander de m'aider sur une vidéo Lazare. Et du coup, elle se retrouve à taguer les murs, à râper. Elle a Michou sur ses épaules.
Moi, quand je vois pas Freddy le samedi soir, je sais que c'est parce qu'il y a le cache à la télé et puis ça peut durer jusqu'à 2h du matin. Voilà. On vit avec 8 filles en colocation dans une maison à Nantes. Mais en fait, il y a aussi 2 autres colocs de garçons, il y a une famille, il y a des studios. Du coup, en tout, on est 40. Et en fait, aujourd'hui, on voulait vous partager le témoignage de Fred, qui est un de nos autres colocs, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Donc voilà, on va laisser la place à Fred. À toi, Fred. Bonsoir à tous. Moi, c'est Fred. Je suis donc en colloque Lazare Nantes, en H9. Alors, actuellement, on est tous 6 parce qu'il y en a qui sont partis, il y en a un qui est confiné à l'extérieur. Mais voilà, on est dans cette colloque, dans cette grande maison, dans cette grande famille. Et on profite du confinement pour souder encore plus les liens entre nous et entre les étages, surtout. Alors, moi, je vais vous parler un peu de moi, parce que faut quand même une star dans la soirée. À Lazare, Nantes. Donc, on m'a choisi, apparemment. Je vais vous parler un peu de ma vie, de ce qui s'est passé, et puis comment j'ai atterri ici, dans cette grande maison. Alors voilà, j'ai connu la galère de la rue pendant 2 ans. J'avais à l'époque un travail, j'étais bien et tout, et j'avais un ami qui vivait ici à Lazare, qui était rentré en colocation. Et cet ami, ben, je suis venu le voir plusieurs fois et j'ai lié des liens d'amitié avec la maison Lazare. Donc, je venais régulièrement le voir et tout. Et puis, je rencontrais Freddy, je rencontrais ben, grand Fred qui était déjà là, les gens de la maison de l'époque. Alors, quand il est parti, parce qu'il est parti assez vite de la maison, et ben, moi, j'ai gardé les liens ici. Et puis, je me suis lié d'amitié avec beaucoup de monde. J'avais très envie de m'engager avec eux. Et puis, Freddy m'a suggéré un jour qu'elle faisait le déjeuner d'amitié tous les premiers dimanches du mois et que si je voulais faire la cuisine avec elle et lui donner un petit coup de main, ben, elle était OK. Donc, mon engagement a commencé comme ça avec Lazare. Et puis, les choses de la vie ont fait que ben, je suis descendu très bas. Donc, j'ai connu la rue. J'étais vraiment au plus bas. Et puis le temps a passé, et puis j'ai gardé les contacts avec Lazare, tout en cachant ma situation et tout, en n'étant pas très honnête, on va dire, mais bon, c'était une volonté de ma part. Et donc, je vivais sur un petit bateau, sur les bords de l'Erdre, à 3-4 minutes d'ici. Et il y a 2 ans, Loïc Luzetto a lancé Hiver Solidaire, et il m'a proposé à moi, qui était sur un petit bateau, d'aller recruter des gens dans la rue pour passer l'hiver au chaud. Donc, j'allais recruter des gens, les mettre au chaud, et moi, j'allais vivre sur mon petit bateau. Bon, à la maison Lazare, on savait que j'étais sur un bateau. Il l'a appris, il m'a tiré l'oreille, il m'a fait un peu la leçon, et puis il m'a intégré dans l'aventure d'Hiver Solidaire. Donc, j'ai vécu cette aventure, je suis sorti d'Hiver Solidaire plein de nouvelles vies, de nouveaux visages, de nouvelles envies, de nouveaux désirs. Je suis allé vivre chez un ami à moi qui était malade, qui était autiste, enfin qui était autiste, il est toujours vivant. Et en fait, ça n'a pas été bon pour moi puisque je suis tordu, quoi. Et je n'ai pas donné de nouvelles pendant quelques temps, ni à Loïc, ni à d'autres personnes. Voilà, je me suis un peu écarté du monde des vivants. Et puis, je ne sais pas, c'est peut-être la bonne étoile que j'ai au-dessus de moi, mon petit ange. Un jour, place du Bouffet, et ben, j'étais en train de marcher la tête basse et j'ai entendu « Salut, tu ne me parles plus, tu ne veux plus venir me voir ?» Et c'était Loïc. Et on a parlé 10 minutes et il m'a proposé ben, de venir le voir, de voir avec lui ce que je voulais faire, l'avenir que je voulais avoir, parce que j'avais une proposition de travail et tout, grâce à Hiver Solidaire. Donc j'ai pris, je lui ai dit ben, « Écoute, on se verra la semaine prochaine. » On parlera de tout ça ensemble. On en a parlé, Loïc m'a aidé à me remettre d'aplomb pour faire les papiers. Je les attends toujours, bien sûr, mais plus c'est long, plus c'est bon. C'est ce qu'on dit d'habitude, mais là, c'est pas très bien. Et donc, on a refait les papiers. J'ai fait ma demande de RSA dans la foulée.
Et la troisième chose que j'ai dit à Loïc en partant, eh ben, c'est je vais faire ma demande officielle à Domitil, qui est la dame de la famille responsable de la maison Lazare ici. Non. Alors il a bien rigolé parce que faire sa demande officielle, ça ne veut pas dire demander de rentrer à la maison Lazare. Et donc je suis allé la voir et je lui ai demandé, c'était au mois de juillet, elle m'a dit bah, pendant l'été on ne prend pas parce que il n'y a pas de responsable, c'est difficile de faire rentrer quelqu'un et tout, mais dès qu'il y aura une place, elle est pour toi, il n'y a pas de souci là-dessus. Et au mois de septembre, fin septembre 2019, on inaugurait les locaux les futurs locaux des 15 studios rue d'Aguesseau à côté de la maison Lazare. Et j'ai reçu un SMS de Domitil qui me demandait de venir la voir le lendemain avec tous mes papiers pour un entretien. Résultat des courses, eh ben je suis rentré le 23 septembre 2019 à la Maison Lazare. Ça fait un peu plus de 7 mois que je suis coloc ici. Alors, ce que j'ai connu de l'extérieur, vous voyez un visage. Et de l'intérieur, eh ben c'est encore mieux, puisque les relations se sont renforcées. Et que d'amis, on est devenus des colocs. Et de colocs aujourd'hui, moi je les considère tous comme mes frères, mes petits frères et mes petites sœurs, parce que j'ai quand même 53 ans. Et ils ont en moyenne la moitié de mon âge, quoi, à part quelques-uns. Voilà. Donc ma vie à Lazare, eh ben, c'est que du bonheur et c'est à nouveau une belle vie qui recommence. Quoi. Voilà. Je vous remercie. Bonne soirée à tous. Et allumez le feu! Merci frère, on adore merci, ce que tu frère. Fais. Bon, maintenant on part à Vaumoise pour une vidéo brève. D'ailleurs, je crois que c'est un bref. C'est parti. Allez, Vaumoise. Françaises, Français, je vous demande de rester chez vous. Nous sommes en guerre. Bref. Nous sommes en mai et toujours coincés. Une nouvelle journée à la maison a commencé. J'avais rien à faire, donc j'ai fait comme tous ceux qui n'ont rien à faire. Je suis allé sur internet. J'ai checké mes mails, rien. J'ai checké Facebook, rien. J'ai bloqué la touche I de mon clavier. Je l'ai tapé, ça s'est arrêté. J'ai rechecké mes mails, toujours rien. Je me suis rappelé que je dois aller faire des courses. J'ai rempli mon attestation et je suis parti. J'ai voulu acheter du PQ, il n'y en avait plus. Je suis rentré et on a fait avec les moyens du bord. Puis comme il faisait beau, j'ai voulu aller à la plage, mais Macron les a fermés, j'ai pas désespéré. À midi, j'ai eu faim, j'ai voulu aller au resto, eux aussi sont fermés. Alors, je me suis adapté. L'après-midi, je ne savais plus quoi faire. Alors, pour passer le temps, j'ai voulu faire du vélo. Mais en fait, j'ai pas de vélo, j'en ai volé un. C'est ballot. Le soir, c'est l'année de René, tout était prévu, j'ai pas pu le fêter. Comme pour tout le reste, j'ai dû improviser. Bref, on reste confiné, mais on sait s'adapter. Allez l'OL, allez l'OL. Mais pourquoi tu dis allez l'Olympique Lyonnais, Raph? Bah parce qu'il y a Lyon qui joue ce soir en Ligue 1. Non mais il y a personne qui joue au foot là. La Ligue 1 c'est fini, c'est confinement. Jean-Michel Aulas il veut plus entendre. Enfin c'est fini, non, il y a pas de foot ce soir. Bah alors pourquoi sur ton papier j'ai vu Lyon homme? Ah non, Lyon homme, c'est pas ça du tout. C'est juste qu'on va aller dans la coloc de Lyon et chez les hommes, on va aller voir ce qu'ils ont à nous raconter. On y va? Ouais, yes. Mistakes have stolen some bigger masking. This mask have to be to France, but they took it. Nobody is infected. No infection for the virus. Au Royaume-Uni, le prince Charles a été testé positif à l'âge de 71 ans. Tous les étages contaminés, sauf le premier, Martin-Marie, grâce à moi, on a pu les sauver. Trois parties de ping-pong avec Julie, j'ai perdu les trois parties. Julie, je ne vais pas la lâcher, ça c'est sûr. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine. J'ai fait du bricolage parental, adapté un lit pour bébé, tuné, un lit tuné, jambes BBS, toit ouvrant, siège en cuillère. Salut, le quatrième étage. J'ai appris à faire des nems, je pourrais vous apprendre. J'ai fait un houmous. Sinon, j'avais prévu de faire des brochettes de bœuf. Et on avait fait un gratin dauphinois, une tarte à la fraise. Martin, Jean Régal. Martin Bertrand, Jean Régal. 22h. 21h30. 21h32. Jour 5. Jour 7. Jour 14. Voilà. Jour 12. Jour 3. Le jour de fatigue. Le jour du seum.
Le jour de la prise de conscience. Le jour de la fin du début. Aujourd'hui, c'est Rush Tea. Aujourd'hui, c'est CrossFit. Aujourd'hui, c'est travail. Aujourd'hui, c'est baby shower. Waouh, c'est super! Tout de suite, sans plus attendre, on continue. Tout de suite, on continue pour le top 50. C'est la capitale des Gaules, c'est la capitale de la gastronomie, de la résistance et du saxophone. On retrouve à Lyon Alex au saxo, Franck au micro. Vas-y, Francky, ça mixe. Vas-y, Alex, ça mixe. Déjà 100 000 albums dans les bacs. Les Lyonnais, bravo. Bravo. Au Royaume-Uni, le prince Charles a été testé positif. On est tellement contents de vous entendre ce soir. Merci, Francky et Alex, on vous laisse la main. À vous, c'est maintenant, tout de suite. Tous les étages contaminés, sauf le premier, m'a démarré grâce à moi, on a pu les sauver. Parce qu'il y a eu une avec Julie, j'ai perdu les trois. Julie, je vais pas la lâcher. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine. J'ai fait du bricolage parental. Adapté, un lit pour bébé. Tuné. Un lit tuné. L'amour de mes parents et tous ces clairs matins et d'heureux souvenirs lointains dans la vie. Parents m'ont me trahi, tu restes mon bonheur petit. Sur mes 20 ans, je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite. Maintenant, Nantes. Désolé du retard, hein, j'avais vraiment urgence sur le feu, là, un puzzle de 400 pièces à terminer. Il faut qu'on fasse un clip pour la veillée de ce soir. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ben moi, je veux bien créer un poème sur le décompte final. Ouais, sinon moi j'avais pensé au clip du Palmacho, là, ils sont dans un van, ils partent à la plage. C'est la fin du confinement, c'est assez sympa ça, non? Babylone, tu peux le garder ton système. Babylone, on va se libérer de tes chaînes. Babylone, tout en toi n'est que un. Babylone, Babylone, oh Babylone. On fait face au gouvernement qui nous ment ouvertement. Avec nos sous dans ses poches, et nous laisse. Et en fait, tu vois, à la fin, on se rend compte qu'on est juste sur le parking. Et en fait, c'est Sergio qui fait le vent. Mais c'est assez sympa ça, non? Vous en pensez quoi? Ouais, je sais pas. Du fait qu'on a encore les masques, on peut faire. Un film, je sais pas, mais du style Buster Keaton, Charlie Chaplin, on pourrait mettre Mélissa. Je pourrais lui apprendre à fumer, par exemple. Peut-être pas faire fumer Mélissa, non? Et je pourrais faire Bourvitch, je fais super bien, il paraît. Bah dites donc, mon vélo! On pourrait faire la scène du corneau, c'est le déconfinement, il prend son vélo et puis paf, c'est l'accident. Oh, mon vélo! C'est une catastrophe, mon vélo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Dis donc, il va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Mon déconfinement est foutu, là. Ah non, moi, je ne fais pas de vélo. Je suis trop maladroit. Et sinon, j'avais pensé à Prison Break.
Ce ne serait pas le plan de la prison qui aurait sur le dos, mais en fait l'attestation de sortie. My name is Michael Schofield. Je m'appelle Benoît. Je m'autorise à aller jeter des pattes pour le dîner de ce soir, signé moi. Ah non, mais là, ton truc prison break, j'y crois pas, c'est complètement tordu. Hein. Le palmachot, c'était top, on peut le faire muet si tu veux, avec les masques. Ouais. Ou alors, on pourrait se faire un remake de Forrest Gump. Il rentre chez lui en courant, mais en fait, il a pas l'attestation, donc bah, il s'arrête de courir. Quoi. Anyway, like I was saying, I had a lot of company. My mom always said, you got to put the past behind you before you can move on. And I think that's what my running was all about. I had run for 3 years, 2 months, 14 days, and 16 hours. Ça s'essouffle un peu là, je sens. On a toujours rien de prévu, le live commence dans 3 minutes. Serge, t'es toujours ok pour faire ton poème ? Eh bien, plus que jamais. On va sur le Zoom et puis on lance avec ton poème. Hein. Eh bien, d'accord. Allez, c'est parti. Ce qui est quand même mythique avec Freddy, c'est que quand tu lui demandes de venir pour tourner une scène en noir et blanc, bah, elle s'habille vraiment en noir et blanc. Moqueuse, Aliénor, moqueuse. Bon, maintenant, place à Sergio El Poeto. Il a publié plus de 38 bouquins et son dernier, vous pouvez le trouver à la FNAC, c'est Les Poésies de l'Orangerie. C'est notre poète Sergio. Allez, Serge. Bonjour à toute l'équipe, à tous les Lazards. Alors, je vous ai préparé un petit poème sur le déconfinement, puisque nous sommes une époque virtuelle et que tout se fait par Tuk-Tuk. Alors, le déconfinement, c'est comme une orientation et une exploitation. Dis con, reviendras-tu ? Comme disait la chanteuse, c'est comme une déconvenue et une décongestion. C'est comme une confession, une coalition et une collision. Et c'est plein de compétition, c'est plein de contagion, et c'est pourtant comme une union. Eh bien oui, comme dit le poète, il ne faut pas poéter plus haut que son cul butant. Oh con ! Qu'est-ce qu'il a le poète d'habitude ? Il ne parle pas comme ça. Alors, quitte à être con autant que ça se voit, et que c'est comme d'habitude que je vais finir par vous dire c'est comme un spectacle et que ça finit de façon comme impeccable. Voilà, je vous envoie que de l'amour, de la tendresse et des petits mots de poésie. Je suis très ému de partager cette soirée avec vous. Et puis, je vous dis simplement que je vous aime, car avec des ans et des corps encore, avec des parts et des dons, pardon, avec des mères et des si, merci la vie, signé Sergio El Poeto. Saluto, va bene. Bravo, merci Serge, merci beaucoup. Alors, vous voyez, avec Calixte, on s'est équipé parce que nous allons aller dans l'eau avec Clarisse. Clarisse, on a essayé d'être à la hauteur avec Calixte. On sait que tu vas sortir de ta zone de confort d'ici peu. On sait que toi, le confinement, ça va durer un peu plus longtemps. Alors, on est content de t'entendre. Et puis, Calixte avait un petit mot à dire aussi. Allez, Clarisse. Allez, Clarisse. Merci. C'est à moi, alors. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Moi, je n'étais pas hyper préparée, là. Moi, je pensais qu'il fallait parler de confinement ou de je sais pas quoi. Donc, je me lance là, je sors de ma zone de confort et je prends la parole. C'est vrai que c'est un sujet assez d'actualité, sortir de sa zone de confort. On est tous contraints à vivre dans une situation qu'on n'a pas choisie. Et il faut dire qu'en tant que marin, je suis désolée Loïc, mais t'es pas très original. C'est souvent un sujet sur lequel on me fait disserter. Parce que c'est vrai qu'on choisit volontairement d'aller mal manger, ne pas se laver avec un peu de chance là pendant 3 mois pendant le Vendée Globe, ne pas dormir souvent et surtout ne pas dormir confortablement.
avoir froid. Enfin voilà, tout ça, c'est pas des choses de vraiment évidentes, mais c'est notre quotidien en mer. Mais ce soir, je voulais pas vous parler spécialement de ces trucs un peu concrets parce que c'est assez habituel et comme, enfin, c'est mon quotidien de marin et j'ai pas vraiment de mérite à le tenir parce qu'en fait moi c'est l'amour de la mer et l'esprit de compétition qui me font tenir et donc comme j'ai choisi d'être là c'est pas un sujet je trouve qui est psychologiquement hyper intéressant mais là j'ai choisi deux petits sujets plus adaptés à la situation actuelle parce qu'en mer on sort aussi de sa zone de confort de façon un peu plus abstraite et la première qui est assez un peu qui ressemble un peu à celle qu'on vit aujourd'hui, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer dans les jours, dans les semaines et puis même dans les heures qui viennent. Quand on part en mer, on a un peu la sensation d'être hors du temps. Moi, quand je largue les amarres et que je quitte la Terre, j'ai l'impression que je vais sur une autre planète, que je quitte tellement l'organisation terrestre qu'il n'y a plus rien qui a rapport. En fait, on a la sensation d'être dans un autre monde où la notion de jour, de semaine, de date, de planning, bah, ça n'a vraiment plus aucun sens. Et donc, ça demande une certaine, un certain lâcher-prise sur le fait de savoir ce qui va se passer dans les heures, les jours qui viennent. Et ça, c'est un vrai exercice mental. Et je trouve que ça, c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Même de façon très concrète, si ça se trouve, une heure plus tard, là, tout va bien, je suis à fond sur mon bateau, je vais à fond, je me dis j'avance bien, etc. Puis ça se trouve, dans une heure, je me serai payé donc un OVNI, un objet flottant non identifié, et tout sera fini, et j'aurai plus qu'à rentrer la queue entre les jambes au premier port venu si j'y arrive, et voilà. Et donc ça demande une espèce de lâcher prise sur la notion de prévoir, de prévision, qui est, je trouve, hyper difficile. Et ça demande un vrai exercice de sortie de sa zone de confort. Et c'est une sensation qui était vraiment exacerbée sur ma première transat en solitaire, ma première transatlantique, donc surtout sur la deuxième étape qui était entre les Canaries et la Martinique, où j'avais pas le moyen de communication. Et du coup, j'ai passé donc cette étape-là, ça m'a pris 15 jours. Et pendant 8 jours, j'avais aucun concurrent à côté de moi. Donc, j'ai parlé à personne pendant 8 jours. Ça a un côté sympa, hein, mais ça a aussi un côté où on perd un peu le sens des réalités et la sensation d'être hors du temps, d'être sur une autre planète prend parfois des côtés un peu hallucinants. Enfin, j'en étais pas loin des hallucinations et j'en arrivais à douter qu'un jour j'allais pouvoir toucher la terre ferme. J'avais l'impression d'être comme dans les notions un peu mystiques d'autrefois où on imaginait que la terre était plate et qu'on allait finir par tomber dans un gouffre. Donc voilà, parfois en mer, on sort de sa zone de confort psychologique où on en arrive même à douter des réalités pour lesquelles normalement on pensait que c'était assez bien ancré scientifiquement. Voilà, donc la deuxième notion que je voulais aborder en termes de sortie de zone de confort, en fait je sais même pas combien de temps je suis censée parler, donc je speed, mais voilà. Donc la deuxième notion que je voulais aborder, c'était la difficulté de tenir la distance quand on sait pas combien de temps ça va durer. Par définition, en bateau à voile, on sait pas quand est-ce qu'on arrive, et ça c'est un truc un peu flippant. Le pire, c'est quand on pense qu'on va bientôt arriver, parce qu'on est fatigué, on s'est préparé à l'idée d'aller manger un bon repas chaud, à prendre une douche, à pouvoir dormir dans un vrai lit, et puis finalement le vent tombe et on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Ça se trouve, on pensait que ça serait demain matin et en fait ça se trouve ça sera dans 3 jours. Et quand on est en course, on n'a pas le droit d'allumer son moteur. Moi, mon bateau d'avant, il n'avait pas de moteur carrément, donc s'il n'y a pas de vent, on n'avance pas. Et j'ai souvenir d'une qualification en course où ça faisait 10 jours que j'étais en mer et j'étais au ras-de-sein. Et là, le vent est tombé. Je pensais que j'allais arriver le lendemain matin et je suis arrivée 3 jours plus tard. J'ai même reculé au ras-de-sein et je suis devenue complètement hystérique, complètement débile, complètement folle. Et je me suis mise à pleurer, à passer par tous les états mentaux possibles. Là, on peut bien dire que j'étais pas du tout dans ma zone de confort. Et j'ai bien craqué. Mais depuis que ça m'est arrivé, ce qui est chouette, c'est qu'à chaque fois que j'ai envie de craquer, je repense à quel point je me suis sentie débile de réagir comme ça alors que le vent tombait. Et maintenant, j'ai appris de cette petite leçon. Comme la voile, c'est un sport d'expérience, on apprend de ses erreurs. Et maintenant, je suis plus habilitée à tenir la distance, même quand je ne sais pas combien de temps ça va durer. Voilà pour mon petit speech sur le marin hors de sa zone de confort et le marin confiné. Voilà. Merci Clarisse, c'est hyper sympa. J'ai l'impression que tu as un super pull. Ouais, j'ai allé chercher mon pull. Ah, super. Je vous invite tous à suivre Clarisse, sa page Facebook Clarisse sur l'Atlantique, et à la soutenir pendant cette belle épreuve du Vendée Globe.
Moi, quand j'ai rencontré Clarisse, c'était avec Serge et Fred qui vous a fait un témoignage tout à l'heure et qui j'avais dit, mais en fait, je vois une similitude entre la solitude du marin et la solitude des personnes qui étaient à la rue. Et on avait eu une belle discussion là-dessus qui avait été ponctuée d'un beau poème avec une bonne crêpe. Donc voilà, Clarisse, on te souhaite bon vent, on sera tous avec toi pendant cette belle épreuve que tu vas vivre. Merci. Vous avez vu, je suis joueur et en fait, on va continuer. Vous êtes assis dans votre canapé, les enfants commencent à en avoir marre, vos colocs ont faim, ou alors vos parents avec qui vous êtes confinés pètent un câble. Il est temps maintenant de jouer. Êtes-vous prêt ? Vous l'êtes, très bien. Le premier d'entre vous qui poste une photo de lui avec un pull rouge et une brosse à dents gagne un pull Lazare porté par l'un des colocs. 3, 2, 1, c'est parti ! Moi, je suis là. Non. Béa, t'as triché, tu connaissais le truc. Non, tu peux pas jouer. C'est une photo postée sur Facebook. Allez, les amis, on vous invite. Les colocs, vous êtes en vision. Donc là, c'est maintenant, il faut que vous alliez chercher votre brosse à dents et votre pull. Tout le monde va vous voir. C'est parti. Les colocs, un pull rouge, une brosse à dents. Attention. Quel est le premier à ramener le pull rouge et la brosse à dents ? Avec un pull rouge et une brosse à dents. Gagne un peu le Lazare. Et c'est avec Anaël, la classe. Bravo. Anaël, tu pourras choisir la personne à qui tu pourras offrir un pull rouge, un pull Lazare, parce que je crois que tu en as déjà un. On va donc maintenant continuer avec Freddy et Aliénor. Pour vous, ce soir en live, Freddy va vous préparer sa spécialité. Mais oui, Aliénor. Ma spécialité, c'est du steak haché. Tu l'enlèves de l'emballage, tu le mets dans une assiette, décongelé bien sûr, ou s'il n'est pas décongelé, tu le mets au micro-ondes, et avec du ketchup dessus, et tu le manges comme ça, avec des pommes de terre sautées. Voilà, c'est Freddy qui m'a appris à manger le steak cru, juste voilà. Décongelé. Bon, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos et de tutos cuisine. Maintenant, on retrouve la maison de Lille avec un tuto cuisine, encore une fois. C'est un tuto un peu particulier, t'apprends rien, mais ça te donne juste faim. C'est le tuto de la petite poule confinée. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à Lazareville. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour concocter. Qu'est-ce que nous allons concocter aujourd'hui, Olivier ? Une poule, Pierre-Alban. Alors, pour faire la poule, il va nous falloir une cocotte en fonte. Et un certain nombre de produits, de bons produits de la ferme, issus de l'agriculture biologique. Très bien, et la poule, d'où viendra-t-elle ? Eh bien, la poule, c'est notre ami Thierry qui va aller la chercher dans notre poulailler. Très bien. Eh ben voilà, hein, on va l'attraper, hein. Avec du boulot. Voyez, le voilà la grisette. Eh bien, me voilà! Eh bien, j'ai des jours à attraper, hein. Merci Thierry pour cette belle poule. Nous avons maintenant donc tous les ingrédients pour préparer la recette. Maintenant, une page cuisine Maïté, le bon roi Henri IV voulut que tous les Français missent, oui, missent, j'insiste, la poule au pot chaque dimanche. Eh bien, rappelons cette phrase historique dont on a oublié la finale. « Je veux que chaque laboureur de mon royaume puisse mettre la poule au pot le dimanche. » Encore eût-il fallu se souvenir de la finale, oui, « Je veux que les laboureuses fissent, je dis bien fissent, des crêpes dans la foulée, sitôt déconfinées. » Allez, on s'en va à nouveau vers Lyon pour tester la recette
Et c'est des filles qui nous l'enseignent. Merci des Lyonnaises. La terre entière est confinée, mais déjà, à Lyon, se prépare le déconfinement. Les filles rêvent de crêpes et de confitures. En ces temps de pénurie, plus de farine, c'est la dèche. Heureusement, à Lazare, on est solidaires. Bien joué, Charlotte a récupéré le paquet. Mais les œufs, oh, toutes les boîtes sont vides depuis Pâques. C'est sans compter sur le plat à tagine magique qui nous réserve une belle surprise. Et pour le sucre, c'est Emmanuel qui chicote. Pleine de ressources et armée de son marteau, elle trouve de quoi faire. Oh, quelle force! Alizé joue à la Samaritaine au puits de l'évêché et débusque la ressource rare. Le beurre? Mais qui a encore fini le beurre? Demande Christine. Heureusement, il y a encore quelques réserves à la campagne. Et pour le lait, abracadabra! Un coup de baguette magique et l'eau est transformée. Maintenant, assemblons tous les éléments. Séparées par la distance, les filles de la coloc se passent le saladier miraculeux pour cuisiner ensemble. À la Mirabelle ou à la Mûre, il y en a pour tous les goûts. Si Kiki est satisfaite, vous serez satisfait. Chère famille, bonsoir. Jacinthe et Anne ont participé à la soirée. On veut tous vous entendre. Allez, allez, Lazare. Allez, allez, Lazare. Allez, 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 ensemble. À vous les frangines. On verra enfin s'aimer les gens. On ira épouser le présent. Vivra mieux, mieux. Faut pas la laisser passer. La chance de se dépasser. Changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer. La famille au coin se fait. Mettez à penser ensemble. Allez, allez, Lazare. Allez, allez, Lazare. Allez, 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 ensemble. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, 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 ensemble. La plus belle ambition, c'est de devenir soi-même. Pas de vouloir briller. On voit partout des gens célèbres, on ne les voit pas pleurer. Vous qui nous voyez, on vous promet d'être vrai. On aura l'ivresse d'être vivant. On verra la vieillesse autrement. On laissera nos richesses aux suivants. Ah, faut pas la laisser passer, la chance de se dépasser. Changer le monde, avancer ensemble. Faut pas la laisser filer. La famille qu'on se ferait si l'on se mettait à penser ensemble. Allez, allez, Lazare. Allez, allez, Lazare. Allez. Merci les frangines, merci pour tout, merci pour votre petite vidéo, on a voulu vous préparer quelque chose aussi. On est là, on vous aime les filles, ah voilà, essayez de nous envoyer encore l'autre comme vous avez fait tout à l'heure. Votre dédicace, ça nous fait plaisir, allez, on vous jette à côté. Bisous, bisous.
Alors, mes petits foies de veau, on est toujours corona confiné. On vous a bien bluffé avec les frangines, là. Hein, et cette fois-ci, c'est pas une parodie. Alors, moi, chicandier, je vous le dis, vous avez de la chance, mes petits colocs. Une grosse chance. On aimerait bien manger des poules bien grassouillettes, avec des saucisses de Toulouse, du bleu d'Auvergne, métal, enfin, si vous voyez ce que je veux dire, des champignons de Paris, enfin, dans le sud-ouest, quoi. Alors, direction la capitale rose, pas loin du Capitole, là, vous savez, pour doubler de volume, là, pendant le confinement, pour gonfler, on voudrait découvrir la mythique colloque de Toulouse. Vous savez, c'est là où PPDA a présenté le 20h tout à l'heure. Eh bien, vous allez découvrir non seulement cette colloque, mais les non moins mythiques colloques, leur humour, leur cuisine et leur accueil. Allez, c'est plus ça mon analyse. Cher colloque Lazare, nous sommes en guerre. Écoutez les conseils qui vous sont donnés par vos responsables de maison. Allez, bon courage, chers amis. Aliénor, les jours à venir vont pas être évidents. Le contexte actuel nous oblige à partir. Pour que notre relation dure, on va devoir s'évader. Oui? Ça te dit de faire une pétanque? Non, là, je suis occupé, je dois tailler mon stylo bille, là. Bah, ok. D'accord. Les tuiles, et pourquoi pas? Allez, au lit! Ah, d'accord. Votre attestation. Vous avez mon masque, vous avez vos gants. Vous avez votre thermomètre. Merci pour votre vidéo, les Toulousains, elle nous a bien fait marrer. En revanche, un petit message à vous faire passer, j'apprécie pas du tout que vous donniez mon prénom à vos poules. Clarisse nous a parlé de l'importance de sortir de sa zone de confort pour vivre une vie intense. Et il faut sortir de sa zone de confort quand on devient coloc Lazare, qu'on soit jeune pro et qu'on quitte son appart pour venir vivre à Lazare, ou qu'on ait 50 ans et qu'on sorte de la rue pour se mettre avec 9 mecs en coloc. Il faut vraiment cette sortie de zone de confort pour apprendre à aimer. Alors du coup, on voulait absolument vous partager un témoignage de volontaire. Et voilà ce témoignage. Donc, Il fait du ping-pong avec un fer à repasser comme personne. Des fois, il s'improvise serrurier, il enlève les portes d'entrée. Il nous a dégondé notre porte d'entrée. Il fait des annonces au mégaphone dans le métro pour trouver des colocs quand il en manque. On annonce Bertrand. Je m'appelle Bertrand, j'ai 29 ans et ça fait 2 ans que je vis à Lazare. J'avais un ami à Angers qui était en colocation Lazare. Je m'étais dit, Lazare, c'est un milieu qui a l'air bon. Le jour où je suis arrivé, ils m'avaient préparé un petit repas de coloc improvisé, quoi, avec tous ceux qui voulaient, et ils avaient commandé des pizzas. Et je regardais la tête des gens et je me disais, c'est quand même cool, il n'y a que des bonnes gueules. Tu vois, il y avait Patrick qui était juste à côté et j'ai tout de suite vu que Patrick, ça allait être un peu le grand frère de la coloc. Je me suis dit, dès que je l'ai vu, si je fais un cauchemar et que je suis triste à 3h du matin, je sais que je peux aller le réveiller et qu'il m'accueillera gentiment, tu vois. Ça a été vraiment mon premier truc. Les anecdotes que j'aime bien, en fait, je dirais que c'est à peu près quasiment tous les repas de coloc. C'est vraiment un moment que j'ai kiffé pendant ces 2 années. Ça, c'est ma petite fierté personnelle, c'est d'avoir réussi à embellir un peu le temps de l'apéro. Le repas de coloc, c'est à 8h, ça veut pas dire qu'à 7h30, on peut pas être ensemble en train de discuter.
Et au final, de 7h30, parfois c'est devenu 7h, j'ai déjà commencé des apéros à 6h30 pour 20h. J'ai l'impression d'avoir toujours vécu à Lazare et en même temps d'être arrivé hier. Et du coup, dire ce qui a changé, franchement, je ne veux pas parler sous le coup de l'émotion, mais je dirais tout. Je suis vraiment devenu moi-même. Je suis devenu simple dans mes relations avec les autres, j'ai pris de l'assurance. Parce que quand tu vis un petit peu à Lazare, tu as toutes les barrières sociales qui tombent, tout ce que tu t'es mis un peu dans la tête. Tu regardes tout le monde en fait, comme la personne que tu as en face de toi et tu ne poses pas la question de ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a fait avant ou autre. Donc tu es là tel que tu es. Bah franchement, ose. Enfin, qu'est-ce que tu as à perdre? Ce que je dis tout le temps, tu regardes la tête des gens quand ils arrivent et la tête des gens 3 mois plus tard, tu as un sourire qui est multiplié par 4. Moi, Lazare, bon, du coup, j'avais pas mal envie de venir, mais je savais pas à quoi m'attendre. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir gagné une loterie à laquelle j'ai pas joué. J'ai découvert des amis, j'ai appris plein de trucs sur moi, etc. Enfin, je savais pas du tout qu'il y avait tout ça à la clé, en fait. C'est toute la vie qui a t'accompagné pendant au moins un an. Et la richesse de cette vie, elle est incomparable par rapport à ce que tu vis quand tu es tout seul, en fait, dans ton appart, ou même en coloc. Tu peux avoir une coloc super engagée, tu n'auras jamais une vie aussi palpitante que l'année que tu pourras donner ici, quoi. Je pense. Chers amis, maintenant, on voudrait laisser la parole à un autre ami de Lazare. C'est quelqu'un qui s'appelle Benjamin, mais son surnom, c'est plutôt Jam. Il est connu sous le nom de Jam. Jam, avec ses frères, il est à l'origine du groupe Glorious. Glorious, pour mémoire, c'est 11 albums, 200 000 CD, des vidéos vues 1 million de fois. C'est ce qu'on appelle la pop louange, c'est le phénomène de toute une génération. Et on est hyper heureux parce que Jam, il nous a envoyé un petit message spécialement destiné au coloc. Il a enregistré ça un peu à l'arrache ce matin et on est hyper content d'avoir découvert sa vidéo. Un tout petit message, Jam, pour encourager tous les colocs. Merci. Salut les colocs, c'est Benjamin de Glorious. J'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes restés confinés ensemble et vous êtes comme une grande famille. Vous savez, moi, je suis confiné ici avec ma famille et je sais que chaque jour, c'est un nouveau défi pour s'apprécier, pour se supporter les uns les autres, pour s'aimer, pour être des vrais amis. Alors, je tenais vraiment à vous dire ce mot, vous dire vous avez réussi votre confinement parce que vous avez essayé de donner votre cœur, de vous aimer et de vous supporter les uns les autres. Alors, je sais qu'à 20h, on applaudit tous les soignants chaque soir et on est tous à la fenêtre pour le faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous applaudir parce que vous avez été incroyable. Alors, c'est moi qui vous applaudis et c'est tout Glorious. Bravo à vous. Oui, très bien, monsieur le Premier ministre. Très bien. Je viens d'avoir une info complémentaire concernant le déconfinement. Une info coronavirus va s'afficher en direct. N'hésitez pas à suivre à la lettre les préconisations du Premier ministre avec qui j'étais en ligne immédiatement. C'est hyper, hyper sympa d'avoir ce clin d'œil de Benjamin Pouzin. Merci à lui pour Glorious. C'est vraiment, vraiment un beau cadeau. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, arrêtez les enfants, je suis en train de travailler. Non, je suis en train de travailler. Je ne sais pas pour vous, mais allez dans la salle de jeu. Je sais pas pour vous, mais le télétravail avec les enfants, c'est l'angoisse totale. Bon, vous savez que dans chacune de nos colocs, il y a des familles. Et ces familles, en plus d'être corona-confinées, elles s'occupent de Lazare et elles télétravaillent. On va voir comment elles vivent ça. On part tout de suite à Lyon, dans la famille Castagny. Franck, ça y est, le gouvernement vient d'annoncer le confinement général à partir de demain. Oh là 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 là, ça va être l'horreur. Il ne faut pas comprendre pourquoi. Sortir ? Ah ben non, ils ne vont pas comprendre. Il va falloir qu'on leur explique avec des mots simples. Simple et efficace. C'est ça. Mais quand même, 24 heures ensemble, la tournée en rond, là, ils vont se mettre dessus, il va y avoir de la violence, c'est sûr. Il faudrait s'occuper, parce qu'ils sont toute la semaine comme ça, là. Attends, j'ai 2-3 idées d'activités en tête, là, on a de quoi tenir une ou deux semaines, mais pas plus, hein. Bah, faut que je commande des livres. Ah oui, ils sont grands, on peut aussi les laisser faire. Hein. Ah bah non, Franck, bah non, on peut pas. Ils ont besoin de nous. Non mais attends, il y a un autre truc aussi, t'imagines, la bouffe. Là, on va être là matin, midi, soir, il va falloir nourrir tout le monde, le budget bouffe va exploser. Non, le plus dur, c'est à 8 dans un appart.
c'est vite dans un appart, mais Franck, on a deux enfants, on est quatre. De quoi tu me parles, en fait? Moi, je parle des colocs, ce sera dur pour eux. Mais non, mais moi, je te parle des enfants. T'imagines, on va être confinés avec nos enfants H24. Ah ouais. Ah ouais. Plan de guerre. Mes oreilles tombent-elles, sauras-tu les ramasser, les entortiller, Siméon, lâche ta sœur. Attends, faut se laver les mains. Lève-toi les mains. Siméon, Madeleine, venez vous laver les mains. Voilà. Attends, tu l'as désinfecté? Ouais, voilà. Désinfecté. Attends. Ah, attends, désinfecte. Allô? Allô? Franck, c'est fini. Le travail reprend demain. On va revivre. Loïc, j'arrive plus à les canaliser. Ils en ont super marre de regarder nos vidéos là. Ils ont envie de chanter en fait. Nous à Laza, on adore faire la fête et on aimerait bien. On peut leur proposer de faire un blind test. Grégory, tu serais motivé? Moi, je serais super motivé, ouais, pour faire un blind test. J'aimerais bien vous faire découvrir quelques chansons. Loïc, est-ce que tu pourrais nous dire les règles du jeu? Alors, les règles du jeu sont assez simples, chers amis. Les règles du jeu sont assez simples. Greg et Victor vont à tour de rôle jouer les premières notes de certains accords. Et le principe du blind test, le premier qui met le nom de la chanson sur Facebook, ça sera contrôlé par un huissier. Et bien sûr, on lui fera un reçu fiscal parce que vous savez qu'on a l'habitude de ne pas payer nos prestataires. Le premier qui met le nom de la chanson remporte un pull Lazare qui sera lui-même porté par un coloc toute une soirée de coloc. Et ça, ça vaut de l'or. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti, Greg. Ok. La parole est à toi. Tu me dis juste quand la première chanson a été découverte. Allez, on y va, c'est parti. Alors, ça fait comme ça. Da 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 da. Yeah. Alors, qui a découvert la chanson? On a Lazare. Ok. Et donc, sur Facebook, on a. Vous allez tous chanter chez vous. Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, former les portes. Les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Il suffira d'une étincelle, mais d'un rien. Oui, d'un geste, il suffira d'une étincelle, mais d'un mot d'amour pour allumer le feu, allumer le feu et faire danser les diables et les dieux, allumer. Le feu et voir grandir la flamme dans vos yeux. Super, merci Greg. Vous avez tous deviné Allumer le feu de notre bon Johnny. Nous allons bientôt vous annoncer le nom des vainqueurs. Nous allons maintenant voir Victor à Nantes pour une deuxième chanson, même principe.
la 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 la. On a trouvé la lettre, Victor. Bravo. Tu nous... Quelqu'un a trouvé ? Quelqu'un a trouvé. Bravo. Des jeux intérêts sur les toiles séries, des cours manuscrits, comme dans les abbayes, quelques cours d'orthographe, une légère dyslexie, et on ne se parle pas, pas petit blond sexy. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, n'aime pas les nonnes, et j'en suis tombé amoureux, y'a pas ta la pala. Amoureux, y'a pas ta la pala. Merci, Victor. Allez, on repart chez Greg. Je vous rappelle, le premier qui met le commentaire repart avec son pull. C'est parti, et c'était bien la chanson La Lettre. Et là, ça va aller vite parce que je pense que tout le monde connaît ça et on peut tous chanter chez vous, dans vos colocs. Ouais, c'est Bruxelles, juste après Lille, on y va. C'est un fameux trois mâts, fin comme un oiseau. Iseo, Santillano, 18 nœuds, 400 tonneaux. Nous si fiers d'y être, matelot. Tiens bon la barre et tiens bon le vent. Iseo, Santillano, si Dieu veut, toujours droit devant, nous irons jusqu'à San Francisco. Yeah. Greg, alors j'annonce les premiers résultats. Nous avons pour Allumer le feu, c'était Mathieu de Santenac. Pour la chanson La Lettre, c'était Thibaut de Rouzé. Et pour Santiano, Mathieu Sautreau, on a bien vos noms, on récupérera vos adresses et on vous enverra les suites. On continue avec Victor. La 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 la. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Oui, il y en a déjà qui ont trouvé. Lazare Valence. On a tout oublié, on y croit, on a tout oublié, on joue, la 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 la. On est bon un peu sur les accords, mais on y est. Super, allez, on va faire une dernière avec Greg. C'est bah oui, peut-être une chanson un tout petit peu plus compliquée, en tout cas c'est ma chanson préférée. Voilà, donc... celui qui le trouve, là, je trouve ça trop bien. On y va. Ah, bien. Ouais, super. Marie Laforêt, Bourvil. Mais c'est la tendresse. On peut vivre sans tendresse, presque sans le sou. Les seigneurs et les princesses, il y en a plus beaucoup. Oui, mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas.
On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Oui, mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant, vraiment, vraiment. Bravo! Merci. Et un immense merci, Greg, parce que c'était aussi la chanson d'un colloque que beaucoup ont connu, qui s'appelle Bachir. Bachir a vécu longtemps dans nos maisons, à Nantes, à Angers, et son répondeur, c'était cette chanson. Donc, c'était un beau clin d'œil à notre ami Bachir. On me dit dans l'oreillette que Marin de Pintis a gagné sur les réseaux sociaux. Bravo à lui. Et maintenant, nous avons la dernière chanson de Victor. C'est parti. Talking about a revolution, it sounds like a whisper. Don't you know, oh, you're talking about a revolution, it sounds like a whisper. Why then, spending the welfare lines? Why you lost them, God is our salvation. Wasting time in the climate lines. In the ground, waiting for a grown bush, don't you know? Talking about a revolution, it sounds like a whisper. More people can rise up and get their share. More people can rise up, it was there. Don't you know you better run, 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 run. Why say you better run, 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 run. Finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution, hold on. Finally the tables are starting to turn. Talking about the revolution. Super, merci infiniment Victor, et j'ai la joie de vous annoncer que Florence de Guéry a remporté un pull Lazare. Florence, on est d'autant plus content de t'offrir ce pull puisque tu fais partie de notre association jumelle à Paris, l'association pour l'amitié. On vous embrasse les colocs de Paris si vous êtes avec nous. Mon Pedro, je te passe la parole pour la suite. Voilà, je vais poursuivre ce blind test, mais vous me pardonnerez, je ne sais pas chanter, donc je vais juste faire les paroles. Ça va faire comme ça. T'as voulu aller à Vaumoise, et on a vu Vaumoise. T'as voulu voir Valence, et on a vu Valence. T'as voulu voir Toulouse, et on a vu Toulouse. T'as voulu voir Angers, et on a vu Angers. Mais il est temps d'aller à... À vous, les amis. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi son rappel? Où ils sont tous en cours? Calme. Eh les gars, ça va pas ça, hein. Il faut d'abord vous laver, hein. Je vais vous désinfecter avec ça et après c'est la douche, hein. Ok, allez, manette, hein. Prends une bonne frite à la belge, hein. Très important, plein de vitamines. Prends la mayonnaise, fais route, voilà. Prendre une deuxième, vaut mieux deux qu'une, hein, et on mange. Tiens, manger, c'est ça. Non, 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 et là. C'est toujours un astuce. Astuce.
Un stud, ça veut dire un grand problème. Voilà. Faut pour les autres aussi. Hein. Allez, une bonne petite sieste pendant qu'il dort. Oh. Franchement, les mecs de Bruxelles, vous nous avez fatigués. On pensait être un peu tarés à Nantes, mais là, il y a quand même du niveau. Il y a du lourd. Il y a du lourd. Bon, et du coup, on n'a pas trouvé de transition pour Valence, mais tous les colocs ont du talent et on va aller à Valence pour écouter du banjo. Voilà. À vous, Valence. À nos colocs, on met beaucoup de cœur à faire du pain maison. Oh, j'ai oublié le sel. Oh non, j'ai trop fait le pain. Oh non, j'ai fait cramer le pain trop levé sans sel. Ici, on fait plein de jeux différents. Par exemple, du tarot. Hier, on voulait manger tôt, alors on a fait des pâtes. Bon, on a fait des jeux de société aussi. Mais comme c'était pas prêt, on a fait du tarot. Et puis, comme c'était toujours pas prêt, on a fait une carte. Et là, c'est enfin prêt. Oh, c'est bon, on peut manger à table. Bon, allez, l'eau pour 15 minutes et après, on va. C'est ça. Après. En fait, le confinement, c'est comme le banjo. C'est cool, mais on est content quand ça s'arrête. Merci Valence, c'était super. On est heureux de voir cette soirée qui se prolonge et qui se poursuit, mais qui va bientôt toucher à sa fin, avec pour nous une forme de joie très grande. C'est celle de réentendre Greg. Greg, on t'a pas bien présenté tout à l'heure, donc moi je voudrais dire que des galères, tu en as connues dans ta vie. C'est pas un secret parce que elles se trouvent sur Internet et tu en as souvent témoigné. Je te remercie d'ailleurs de cette simplicité, de ce courage. Et puis, la vie, elle réserve aussi des bonnes surprises. Tu as fait un disque avec Natacha Saint-Pierre qui a été disque de platine. Tu as fait plusieurs albums qui sont merveilleux. Et du coup, maintenant, on a la joie
d'accueillir en cette fin de soirée une de tes compositions. Voilà, on te remercie pour ta voix toute de simplicité et de lumière. C'est assez rare. Il y a beaucoup de chanteurs qui attirent la lumière sur eux. Et ben, nous, on sait et on voit que toi, tu l'attires sur le sens de ce que tu veux chanter et partager. Et ben voilà, de tout cela, on voulait te dire merci. Merci beaucoup. Alors, c'est une chanson qui est toute simple, que je veux dédier à tous ceux qui sont dans la galère, parce que c'est ce qu'elle raconte, mais aussi à tous ceux qui aident et qui gardent un regard de bienveillance sur ceux qui sont dans la galère et qui ne jugent pas. Voilà, c'est juste ça, cette chanson. Ça s'appelle « L'espérance est là ». Je veux dire à ceux et à celles qui vivent dans les bosses et les creux, qui ne sont pas nés sous le même ciel que d'autres qui en sont moins dignes, que je veux dire si le bonheur c'est comme ça, qu'il passe et ne s'arrête pas. Moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je veux dire à ceux et à celles qui ont des larmes plein les yeux, des gouttes d'âme qui étincellent pour crier qu'ils sont pas heureux. Je veux dire si le bonheur ne nous veut pas, qu'il passe et ne s'arrête pas. Moi je crois qu'au fond de soi, l'espérance est là. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. On vit à s'en crever le cœur, on vit à en crever de peur que le jour ne se lève jamais sur nos vies et nos rêves. Mais moi je crois que l'espérance est là. La 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 la, 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 la la la. Merci infiniment, Greg, de nous dire que l'espérance est là. L'espérance, on essaye de la vivre chaque jour dans nos maisons. Chers amis, ça va être bientôt le temps de nous quitter. C'est d'abord le temps des merci. Un immense merci à Antoine qui a, avec beaucoup de talent, animé cette soirée et géré les transitions entre les directs, les vidéos, etc. Il faut savoir qu'on est une trentaine de petites vignettes Zoom en dehors de ce live. Donc bravo et merci Antoine. Un immense merci à toi, Greg. Grégory Turpin, de nous avoir prêté ta voix. N'hésitez pas à aller sur la page de Grégory, à liker, à suivre tout ce que fait Greg. Vraiment, ton talent nous aide à nous élever. Merci à Clarisse de nous avoir fait voguer sur les flots. Je remercie infiniment Anne et Jacinthe que j'ai embêté pour avoir cette belle vidéo, les frangines. Merci à PPDA pour sa voix. Merci à Glorious de nous avoir fait ce petit clin d'œil. Je remercie Pierre Pedro alias Jason Chicandier qui nous a, et Edouard Baird qui nous a aidé à vivre cette soirée. Je remercie évidemment Aliénor et Freddy qui nous ont également enchanté de leur beau sourire ce soir. Merci les filles. Je remercie également Victor qui nous a fait de la gratte, Alex au saxo, Serge pour son poème. Je remercie évidemment et infiniment tous les colocs qui se sont donnés. On a eu cette idée un peu débile de veiller il y a une semaine. Et en fait, en une semaine, tout le monde s'est mobilisé pour vous pondre cette soirée. Donc vraiment, bravo et merci les colocs. Désolé pour ceux qui n'ont pas pu avoir leur vidéo dans la veillée, mais
il y en avait trop. Et entre tous les talents, on a essayé de choisir des vidéos pour chaque maison. Merci à vous, chers amis qui nous avez suivis. Pardon parce qu'on vous a envoyé des newsletters, on a fait des relances sur Facebook, etc. On a été chiants. Mais en fait, on avait vraiment envie de vous ouvrir nos portes et on avait vraiment envie que vous soyez avec nous ce soir. Pas mal de gens nous disent, mais comment on peut continuer à soutenir Lazare? La première des choses que j'ai envie de vous dire, c'est venez dès que les maisons seront réouvertes. Passez, venez rencontrer les colocs après le confinement. Après que les rassemblements de plus de 10 personnes seront autorisés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, likez, partagez, commentez nos publications. Un clic, en fait, nous aide énormément. Bah, évidemment, on a aussi des besoins financiers. Si vous voulez nous faire un petit don, vous savez qu'ils sont toujours les bienvenus, même les gros. Vos parents sont, vos tantes, vos grands-parents sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière. C'est le moment de leur parler de Lazare. Je termine par vous dire que Lazare, c'est l'histoire d'une rencontre. Il y a 2 mois, un de nos amis chers, Jean-Claude, nous a quittés. Et j'aimerais vraiment lui dédier cette soirée. Jean-Claude, c'était un peu un coloc comme tous, quoi, qui nous tenait vraiment à cœur. C'était un de nos amis chers et Jean-Claude est mort d'un cancer du poumon. Pendant des semaines, les colocs se sont relayés et lui ont tenu la main. Quand les médecins nous ont annoncé que les dernières heures de Jean-Claude étaient arrivées, les colocs se sont relayés toutes les heures pour que Jean-Claude ne soit jamais seul. Et si les mains des colocs se sont succédées dans la main de Jean-Claude, celle de Lazare est restée dans la main de Jean-Claude. Et quand il a été enterré, il y avait plus de 200 personnes à son enterrement. Une dame a dit « mais c'est un grand homme qu'on enterre ». Et c'était effectivement un grand homme qu'on enterrait. C'était un de ces mecs qui avait connu la galère, mais qu'on avait eu la joie de connaître. Donc, n'hésitez pas à vivre ces rencontres. N'hésitez pas, surtout dans cette période difficile, à être proche de toutes ces personnes qui sont à la rue. Elles ont besoin de nous, mais en fait, nous avons tous besoin d'elles. On a besoin les uns des autres, et c'est cette rencontre qui est une formidable richesse. On vous souhaite une super bonne soirée. On vous laisse avec un petit clip qu'on avait tourné l'année dernière, dans lequel vous apercevrez Jean-Claude et tous les colocs de France, de Belgique et d'Espagne, que je remercie énormément. Salut à tous, on peut passer en mosaïque et à bientôt. Merci Loïc. Top vidéo. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, tous mes colocataires, tous mes amis, mes frères. Comment pourrais-je faire pour aller vivre ailleurs? Ils ont tué mes peurs, toutes mes années de malheur. Oublié ce matin, j'étais dans la galère. Y'avait la drogue, le vin, la misère ordinaire. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On tombe dans la rue et la méfiance elle tue. J'avais du mal au cœur, j'avais peur du bonheur. La manche dans le métro, à défaut d'un boulot, c'est tout ce que j'ai trouvé pour vivre et m'en tirer. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre. Et pourtant y'a Lazare. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent, je mets dans ma maison. C'est pas une religion, au-delà d'une confession. J'ai mon appart à moi et mes copains, voilà. Et si je monte au deuxième, y'aura peut-être Johnny, Josiane et puis Freddy et mon cousin Domi. Polo sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. Nous sommes colocataires, pas trop ordinaires. On veut des gars, des filles à la campagne en ville. Les yeux des solitaires, la voix qui régénère. L'odeur de cette amitié qu'on veut bien partager. C'est un appartement de la partout en France, à Marseille comme à Lyon, à Lille et à Toulouse, à Nantes et à Angers, à Beaumois, à Bruxelles, la relève est pour toi, tu vois ma fille, mon gars, on te laisse la porte ouverte, les clés sont sous la fenêtre, le temps nous a gâtés, on a
bien profité. On a des souvenirs en tête ce soir, faisons la fête. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la colotte dans le cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Allez, viens à l'hasard. T'as déjà les yeux qui brillent. Papa, y'a pas, y'a pas, papa. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la colotte dans le cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Allez, viens à l'hasard. T'as déjà les yeux qui brillent.